Voilà. Donc voilà, eh bien, ça fait 12 ans que je suis à la tête de l'Union sportive d'Acquoise. Je crois que j'étais venu pour 2 ans, donc vous voyez, j'ai multiplié par 6 mon quota. 12 ans, quand on a passé toutes les phases de plaisir comme on a eu pour le top 14, la montée en top 14 et tout ça, j'avoue que c'est quelque chose d'extraordinaire pour un président et de voir cette liesse autour. Et je crois que ça, j'aurai toujours ça en présence dans mon esprit. Mais après, bon, eh bien, il y a aussi l'usure de la fonction qui fait que, eh bien, on donne peut-être pas autant. Et je crois que c'est ce qui se passe depuis déjà 2 bonnes années, 2-3 ans, où à un moment donné, eh bien, on se dit, est-ce bien de garder la fonction alors que tu n'impulses pas ce que le club a besoin. Donc voilà, eh bien, aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de mystère. C'est Alain Pécassien que j'ai à ma droite qui va me succéder. Quelqu'un qui connaît bien le club, qui est là depuis 50 ans, qui a été un petit peu à tous les postes. Alors c'est vrai que beaucoup se diront, eh bien, c'est encore quelqu'un du Sérail, ça ne veut pas faire sans trouver quelqu'un à l'extérieur. Ça, c'est, je pense, le plus facile à dire, mais certainement le moins facile à réaliser, aller chercher quelqu'un qui a la passion d'un club, qui a l'amour d'un club aussi, parce que je crois qu'il faut aussi ça. Et j'avoue que, pourtant, j'ai annoncé mon départ depuis bien longtemps. Je n'ai pas eu beaucoup d'appels du Qatar, je n'ai pas eu beaucoup d'appels de nulle part d'ailleurs, ni même de France. Donc, pour certains, ils sont déjà déçus que ce soit dans le club qu'on ait trouvé la solution. Et moi, je dis, c'est peut-être notre richesse qui fait que, justement, c'est aussi quelqu'un qui a le courage de prendre le relais et de relancer la machine. Merci. Merci, Alain, parce que je pense que, je te l'ai dit, il faut avoir une dose de courage important. Tu l'as et tu pourras toujours compter sur mon aide parce que, même si on laisse la place de devant à quelqu'un d'autre, c'est pour l'amener plus loin. Mais on restera toujours au club pour t'aider et pour aider ce club quand on y a mis le doigt, eh bien, il est difficile de l'enlever et des fois on y passe même le bras. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis Alain Pécassien. Un ancien dirigeant du club, puisque ça fait effectivement quelques années que j'appartiens à cette grande famille. Nous avons eu la chance pendant 12 ans de bénéficier d'une présidence et d'un président exceptionnel en la personne de Gigi, qui avec des méthodes complètement nouvelles par rapport à ce que l'on connaissait, par rapport à notre culture ancestrale, a fait beaucoup avancer ce club, s'est énormément investi. Beaucoup d'entre nous ont la notion de son investissement financier, mais je pense qu'il est aussi très important de souligner son investissement personnel. Il s'est dévoué corps et âme à la bonne marche de ce club. Donc j'accepte de prendre cette succession tout en étant parfaitement conscient de la difficulté qu'elle représentera, une difficulté par rapport au précédent, mais également une difficulté par rapport au contexte économique. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis quelque temps. Nous allons connaître peut-être une petite période de moins bien. Je ne veux pas employer des termes comme récession, comme rigueur, comme tout ce qu'on voudra. Mais écoutez, on est parfaitement conscient de cette chose. Il n'empêche que ça n'atteint pas notre morale, ça n'atteint pas notre envie de continuer à aller de l'avant. Ça n'altère en rien notre ambition. Et je pense que ce qu'on vous présentera dans les semaines à venir, tant sur le plan administratif que sportif, sera de nature à vous convaincre que nous avons toujours envie d'aller de l'avant et d'aller tout au moins dans un premier temps nous installer confortablement, solidement et durablement dans cette Pro D2 avec pour objectif de nous rapprocher petit à petit des sommets que nous avons quand même déjà connus l'an passé. Pour accomplir cette mission éminemment importante et pour laquelle j'ai un certain nombre de compétences, mais peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels j'en ai un petit peu moins,
eh bien, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un qui était susceptible de nous aider, quelqu'un qui était un amoureux de rugby, un amoureux du sport, un amoureux de Dax, un amoureux de notre club, c'est déjà beaucoup, et quelqu'un qui, au travers de sa carrière professionnelle, qui s'est terminée il y a peu de temps, il y a un petit peu plus d'un an, avait fait preuve de beaucoup de compétences dans les domaines de la gestion, de l'administration, de l'économie, et également qui connaît parfaitement les rouages politiques et institutionnels de notre département. Je veux parler bien sûr de Jacques Delpé, dont la présence ici a peut-être surpris quand vous êtes arrivé, mais vous comprendrez désormais pourquoi il est là. Désormais, ça sera lui qui sera à nos côtés pour prendre en charge un petit peu tout ce secteur administratif et non pas la révolution, mais l'évolution nécessaire à la professionnalisation de notre club. J'ai été très honoré qu'on fasse appel à moi pour donner un coup de barre à la gestion administrative, commerciale, financière de ce club. Parce que c'est un grand club qui fait partie de l'histoire, pas tellement de Dax, mais l'histoire de notre pays tout entier. Quand vous allez quelque part, on vous dit « Ah, vous êtes à Dax ?» Alors on pense à rugby, un peu au corrida, un peu au thermalisme, mais c'est dans cet ordre. Alors être sollicité pour une tâche pareille, c'est réellement très plaisant. Mes fonctions prendront effet le 1er juillet. Et le futur directoire sera composé donc de Jacques Delpé, Christophe Pontens, Jean-Patrick Lescarbois et moi-même qui remplacerai Gigi, qui donc termine son mandat le 30 juin.